Ah là là, il faut pas dire, mais c'est le bordel à Applied. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce LP en compagnie de Monsieur LP, mais je serai que tout seul en fait aujourd'hui. Tout simplement, c'est que Riddick, il a. Un, il est malade, et puis deux, il a des examens ou partiels, donc du coup, il va pas pouvoir venir cette semaine. Mais vous inquiétez pas, vous le reverrez. Pendant ce week-end. Allô? Évidemment, il faut que je paille quand je fais une vidéo. Bah ouais, c'est toujours logique. Bon, enfin bref. Alors, ça a pas mal un peu changé quand même. Il y a de moins en moins de bordel ici. J'ai enlevé toutes les fleurs parce que ça commence à me gaver qu'il y ait bah, justement les abeilles qui travaillent et qui me foutent des fleurs partout. Normal parce que ça fout pas mal de d'effets visuels, ça me fait tomber un peu de l'iframe et il pleut. Ok, parfait. Ah, je suis en mode cheat. Ok, très bien. Oui, pourquoi je suis en mode cheat? Parce que je vais sur le créa et je suis obligé de me remettre en NEI bah, cheat pour pouvoir me prendre les objets. Donc il ne capte pas que le survie et le créa soient complètement différents, mais c'est pas grave. Bon. Alors, tout ce genre d'applied qui se fait par Redix, hein, principalement. D'ailleurs, pourquoi il a mis ça là, lui? Enfin bref. Tout cet applied va partir dans le manoir là-bas. Donc, je le laisse faire parce que c'est un petit peu le bordel, hein, il faut dire ce qui est. Malgré que ça soit très beau, mais on a les emplacements désignés pour ceci. Sauf qu'il va falloir faire les câbles, il va falloir tout faire. Normalement, il sait déjà. Je ne suis pas sûr. Il y a déjà tous les inscribeurs qui sait faire. Ça, c'est clair. Les purflux, les fluxides et les. De flux cristaux. Et dans les trois moléculaires assembleurs, il sait déjà faire pas mal de choses. Notamment, il sait faire pour les 4K. Voilà. Si on va faire des 4K, on va peut-être faire les 16K. Pour l'instant, vaut mieux qu'on fasse les 4K, histoire de stocker temporairement. Et on fera un suivi par la suite. Donc pour avoir les 4K, c'est par ici. Sauf que c'est tellement la merde pour y accéder maintenant. Voilà. Et oui, je vole. Pourquoi je vole? Tout simplement, c'est que je me suis fait les Angel Rings. Et puis j'en ai fait un pour Monsieur Riddix. Parce que c'est un cadeau que je lui fais et il en est très content. Ça nous évite de nous transformer en morphe tout le temps. Ce qui est assez chiant par la même occasion, d'ailleurs. Au niveau Tomcraft, je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut vous intéresser pour vous qui jouez en local. Quand vous faites des recherches, vous avez des petits ombres là. Les petits ombres là, c'est des effets négatifs. Et ces effets négatifs, vous pouvez soit les réduire, voire les stopper avec du sel purifié. Ça les réduit progressivement et ça vous les stoppe. Voilà. De manière permanente, sur certains cas. Et sinon, c'est temporaire. Si vous êtes en local et vous en avez marre au dieu de veau. Ça, je peux pas scanner. Ouais. Les deep storage, d'ailleurs, on peut les re-scanner. Avant, on pouvait pas. Il y a une commande qui se fait. Alors, TC help. Tout simplement, c'est Tomcraft Warp Player Add ou Set. Donc, ajouter ou défini le numéro du niveau si c'est permanent ou temporaire. Sachant que temporaire, normalement, c'est 30 minutes. Voilà. Tout simplement, vous faites TC. Moi, je. Tiens. Check warp. Je suis à 12 là actuellement. Je vais essayer de le réduire progressivement avec les savons. Mais si vous voulez, par exemple, le remettre à 0, tout simplement, vous faites TC warp, le nom du joueur. Vous pouvez pas faire tab parce qu'il veut pas. Set, par exemple, 0, PERM. Voilà. Et quand vous rejetez. Check war, voilà, permanent 0.
Moi, je vais me le remettre en 12. Voilà. Oui, parce que bah c'est défini par défaut, donc bah pas par défaut parce que j'ai vu recherche. Hein. Oui, puis je peux rechercher dans les chunk loaders les personnes qui nous bouffent trop. Mais si on change, ça deviendra notre chunk loader à nous, ils pourront pas y accéder. C'est une config qu'il faut mettre dans Chicken Chunk pour dire que les OP peuvent accéder justement au chunk loader. Voilà. Par la même occasion, moi je me suis fait mes petites bottes avec un running shield de 2, donc c'est très important. Et j'ai mis Reaper surtout parce que j'ai la tape d'enchant qu'il faut et je lui ai mis Ast sur les bottes. Voilà, donc voilà, ça se repère tout le temps, donc ça se répare, hein, repair. Continuellement dès que je me prends un damage. Ah oui, et puis j'ai aussi la baguette. Faudrait que je me prenne ça. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Comment? Qui m'a fait la baguette qui nous permet de prendre tout ce qu'il y a à ses côtés? Et vous maintenez Shift et bah c'est comme sur FTP, vous maintenez Shift et vous avez plus l'effet magnétique. Voilà. Au niveau des abeilles, pour l'instant, j'ai stoppé du fait qu'on est en train de travailler sur le manoir. Moi, je me suis fait Tomcraft parce que c'était une vraie merde pendant ouais, 4 à 5 jours. Hein, il faut dire ce qui est, le travail m'a été laborieux. Mais ce fut une salle très intéressante, surtout pour vous. Qui veulent rendre un Alta stable en Dangerous. Pourquoi Dangerous? C'est tout simplement quand vous faites la table d'enchant là, instabilité dangereuse, donc vraiment dangereuse, c'est des éclairs partout normalement. Et je l'ai rendu ultra stable, je peux faire Camille quand je veux. Hein. Bon, là je peux pas le faire parce qu'il va falloir que je débloque quelques recherches. Il va falloir que je débloque toutes les recherches là. Justement de Tommy Tinker ainsi qu'ici pour accéder à la version finale, ce qui veut dire Camille ici. Voilà, et là je vais commencer à douiller parce qu'il va falloir des Nether Stars et c'est pas encore ça au niveau des Nether Stars. Bon, voilà, et puis j'ai encore ça à chercher, surtout ça en fait. Ça va être les principales recherches pour accéder à Camille. Et également, bah ici, je vais en avoir une autre à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ici, c'est bon. Golem Corp, peut-être. Peut-être j'ai des choses à voir. Bah ici, c'est normal. En alchimie, normalement, j'ai tout débloqué. Ici, je me suis pris un warp assez méchant. Je l'ai gagné de 1. Ici j'ai encore quelques focus à aller chercher. Les baguettes c'est quasiment fait. Oh c'est tout fait même ici. Parfait, j'ai encore en fait deux focus à aller chercher. Peut-être encore deux autres ici. Je me rappelle plus si j'ai encore deux autres choses. Et puis ah oui ici j'ai cette recherche à faire. Voilà et puis celle-là bah, je sais mais c'est que temporairement en fait. Voilà. Ouais, bah vu ça, j'ai dû copier-cliquer par erreur. Voilà. Bon, alors, je vais aller faire dodo parce que cette pluie ne m'arrange pas au niveau du poids des vidéos, malgré qu'elle soit fine. Je préfère pas. Voilà. Et puis c'est mieux quand il fait jour. C'est quoi là-haut? C'est quoi là-haut? Ah oui. Peut-être mieux que je vole quand même. C'est une grosse plateforme, on dirait un angel block. Qu'est-ce qu'il a mis? Ah oui, ok, très bien. Ah bah, voilà. Ah oui, ok, Tesseract. Oh bah ça va, il est. C'est pas comme s'il était full, quoi. J'aurais pu en mettre une deuxième. Oui, j'ai rajouté mécanisme sur le modpack. J'ai rajouté d'autres choses aussi. J'avais rajouté Galacticraft, mais il commence à nous faire bugger sérieusement. Concernant un câble d'alimentation, en fait, quand vous le posez, vous faites crash directement le serve. Donc, il l'a sauvegardé, il s'est crashé.
Et au redémarrage, sachant que le bloc est posé, il recrache instant au démarrage, donc du coup je l'ai désactivé. Il a fallu une modification du monde pendant 10 minutes, que Forge fait automatiquement maintenant. C'est ça qui est l'avantage de la 1.7.10, c'est que si vous avez un mode en moins sur le monde, il délète tous les blocs. Ah, ça c'est magnifique, c'est quand même un truc. You pouf, voilà. Ouais, parce que les bordels au niveau des coffres, c'est bon. Ah oui, du fer, j'en ai plus beaucoup. Va falloir que je déplace l'aquarie. D'ailleurs, l'aquarie, elle est ouf en parlant de ça. Bonjour, l'œuf. L'aquarie n'est plus là. L'aquarie n'est plus là, mais il y a encore du beau stuff à l'intérieur. Tiens, on prend ça. J'ai du lapis, de la redstone. Du Dark Iron, hein, très intéressant tout ça. De l'uranium, c'est parfait. J'ai des essences, donc il y avait un spawner. Copper, lead, silver, aïe. Gold, j'en avais plus beaucoup. Tin. Furious. Furous. Hop. Petit ok. Salut les moutons, j'adore, c'est surtout pour monter les escaliers en fait, ça va tellement vite. Oups. Tac. Ouf, eh bah putain. Je vais chercher ce qu'il faut. C'est quoi quand même? Ah oui, d'accord. Dense gold, dense gold. Copper, tin, lead, parfait, uranium, ouais, je prends Certus, j'irai le miner à la main. Ouais, bah je vais prendre ça, parce que je vais aller chercher ce qu'il faut. Ça, je prends le fer, intéressant, toujours intéressant. Et dans le troisième coffre, il y a bah, le feu rouge, et puis en fait, c'est tout. Le reste, j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Ok, c'est parfait, je vais mettre tout ça dans le four. On va se faire une petite pioche version Tomcraft. Ouais, comme ça, on peut choisir les enchantes. C'est toujours intéressant tout ça. D'accord, si tu veux. Hop, 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 hop. Et un fer. Ouh. Pour. Ah, d'accord. Très bien. Voilà la vitesse. Hop. Et c'est lui que je dois mettre en extraction. Ah bah il y est. Ah oui, il est en mode furnace. Hop. Ah, comme ça je vais tout cuire. Putain, il est rapide. Waouh. Oh, ça bien, ça fait de la cobble, hein, mais... Disons qu'il est plus rapide que celui qui est en dessous. Ok, ok, le con... Oh putain, et Reddick Stink. T'es un enfoiré en fait. Ok, très bien. T'es un sacré enfoiré. C'est pas grave, je t'aime quand même. Mais il m'a pris en fait l'overclock ici. Qui doit être, si je me trompe pas, ici. Voilà. C'est un enfoiré. Il a pas voulu refaire ce qu'il faut. Voilà, ça va vite. Et du coup, il me bouffe de l'énergie pour rien. Parce qu'il était à stock, à fond. Et sachant que là, il faut qu'il remonte. Est-ce qu'il y a encore du charbon ici? Ouais, bon, c'est bon, j'ai encore du charbon. Je suis en train d'alimenter, c'est parfait. Du coup, je vais faire ce qu'il faut. On avait dit une pioche. Qui va nous permettre... Tiens, on va le faire en diams, parce qu'on est un peu riche en diams. Hop, voilà. Parce qu'on va pouvoir enchanter ce qu'on veut maintenant. Ceci, voilà, c'est parfait. Hop, je vais là-bas. Alors, ici, tiens. Tiens, tant que j'y pense. Oui, génétique, ça va changer. Hein. La pièce est temporairement. Elle va changer. Alors, les abeilles, je vais modifier tout simplement parce qu'il y a la salle Tomcraft. Vous verrez pourquoi ici. Le manoir ne peut avancer tout simplement. C'est qu'il faut mettre les machines, il faut mettre un petit peu les étages. Quand vous faites une maison, vous devez faire obligatoirement les machines après la déco.
tout simplement, déjà, nous, on va faire en sorte que le manoir fait 3 d'épaisseur au niveau du mur. Oh, il y a une note là-bas au fond. Parce qu'on va passer les câbles au milieu entre les deux styles de bois. Tout simplement, ça, c'est le côté extérieur. Il va y avoir le côté intérieur. Donc, c'est tout simplement pour rendre beau l'ensemble du manoir. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte d'avoir un timelapse. Je verrai pour mon PC portable s'il peut supporter le modpack. Il n'est pas non plus super puissant, mais est-ce qu'il peut faire tourner? Je ne sais pas. Et comme ça, je vous ferai un petit timelapse justement du manoir qui se construit. Ça pourrait être sympa. Ça sera surtout une première pour moi, en fait. Ah oui, d'accord. Une première pour moi pour faire des timelapses, surtout sur un modé. Ça peut rendre super beau. Hop, on descend. Voilà. Ça vous avez vu hein, voilà, c'est quelque chose qui a été fait par Edic, c'est un truc super beau, il y aura une télécommande pour pouvoir y accéder, mais ça fait quand même des choses super belles, tac 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 tac, pouf, hop, voilà, on peut passer, ici ça sera rebouché, hein, c'est juste pour voir tout ce qu'il faut, décoration qui a été fait en créatif puis en survie ici, normal hein, parce qu'il faut bien faire un pattern un jour. Voilà, et puis voilà, ça commence à aménager, à prendre forme, le manoir, petit à petit, mais ça prend forme. Ici, j'ai commencé, les alvéolaires, je les ai déplacés. Sauf que les abeilles que je vais mettre dedans, il faut que je les fasse passer par des roquilles. Tout simplement, c'est qu'elles ne supportent pas le fait qu'elles soient pas direction soleil. Donc, voilà, il faut que je mette des caves. Caves et tolérance de pas de soleil. Voilà, et ici, c'est prévu pour 3 autres. Hop, la salle Timecraft, avec un vis de relais. Oui, parce que je vais passer tout ce vis dans toute la maison, comme ça je vais pouvoir être rechargé si j'ai des effets néfastes. L'armure, hein, donc faites clic droit, pouf, vous avez ça. Alors ça se fait avec un levier qui se trouve en dessous pour alimenter l'armure en fait. C'est en faisant clic droit, vous faites ça, voilà, tout simplement. Moi je récupère ça parce que c'est nettement plus classe et puis sur mon armure pour sauter. Puis vous voyez, hop, je me permets de me recharger. C'est beau hein, quand même. C'est beau hein. Hop. Ah ouais. C'est mieux ici. Voilà, alors la salle Timecraft. Elle est badass. Oh. Ah ouais, j'ai ça qui descend, qui remonte, pouf, ça c'est fini. La salle est badass. Je voulais faire une salle propre, cette fois-ci, une vraie salle propre, concernant Timecraft. Au début, j'avais mis l'altar ici. L'altar qui se trouve au-dessus, je l'avais mis en dessous. Le hic, c'est que il ne veut absolument pas, alors ça, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui m'est venu à mes conclusions, c'est qu'il n'aime pas être enfermé et être en dessous de la couche 64. Va comprendre pourquoi, je n'en sais rien du tout. Mais du coup, je l'ai mis au-dessus, j'ai fait une salle et je vais déplacer toutes mes abeilles. Alors, pour faire cette salle Timecraft, il y a différents aspects qui ont été rajoutés. Il y en a deux qui ont été rajoutés. Il y a le Tempus qui se trouve ici. Hein, donc c'est le temps, c'est les comparateurs. C'est quoi d'ailleurs les Tempus? Ah voilà. Tempus, voilà. C'est les aspects plus des comparateurs pour l'instant. C'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Et puis j'ai fait mes. Oh. J'ai fait mes petits golems en tomium. Donc c'est tellement simple de les faire. Donc du coup je les ai faits. Hein, tout simplement. C'est. Pour les faire, c'est tout simplement. Vous allez dans golemmancy. C'est pas la fer, c'est pas l'iron, c'est le tomium. Voilà, c'est un bloc de tomium. Tout simplement avec 2 upgrades, vous verrez pourquoi. Et vous mettez 8 manus, 8 motus et 8 spiritus. Vous faites ça avec des fioles. Donc c'est des petites fioles en clay. Comment c'est le nom? Aspect. Non, pas aspect. Jar. C'est pas des jars. Fial plutôt. Ouais, voilà. Fial d'Essentia, voilà.
C'est tout simplement 3 vitres et une clé, ça en fait 8. Et vous faites un clic droit dessus, vous récupérez 8 aspects que vous mettez dans un chaudron. Et pouf, ça, vous mettez votre bloc et ça vous fait des Tom Yum Golem. Dessus, j'ai mis des upgrades d'or d'eau. Et au niveau de... Et puis de l'eau. Tout simplement, vous allez voir tout simplement ici. Voilà. Upgrade order. Ça vous permet de développer justement votre golem. Pour qu'il soit plus intelligent celui-là. Et celui-là, ça permet d'upgrade sa distance de rendu. Voilà, tout simplement. Pour ça, j'ai mis les deux là. Alors, je voulais mettre le gold. Ça permet d'accélérer sa vitesse de déplacement. Sauf que bah, y a que deux upgrades, il n'y en a pas trois. Donc du coup, on ne peut pas. Peut-être justement dans cette version-là, dans celui-là, il y a trois upgrades qu'on peut mettre. Trois ou quatre, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y en aura trois. Donc vous pouvez mettre celui-là, plus celui-ci pour accélérer. Mais je pense pas que je vais le faire parce que déjà c'est un truc assez tabou. Ouais, je pourrais le faire en recherche et je vous le dirai. Donc du coup la déco elle a été faite pendant plusieurs heures. Je ne l'ai pas faite en vidéo tout simplement parce qu'elle était très longue, très chiante et très périlleuse pendant justement ces 5 jours où j'ai fait tout ça. Voilà, le système de déco je le trouve plutôt sympa, surtout du Gridwood au sol. J'en avais mis là au début, sauf que j'ai remis de 2, et ensuite j'ai mis ça, voilà. Et puis j'ai fait 3 fois les jars, hein, donc ça m'a pris énormément de temps et d'aspect. Et j'ai trouvé une node super cool. J'ai pas ma baguette. Tiens, on va aller voir en même temps en dessous. Hop, bonjour. Voilà, et puis moi je me suis mis ça pour poser mes items. La table de recherche hein, qui me permet d'avoir tout vraiment en illimité. Donc c'est pour ça que j'ai mis plein de cristaux, j'ai mis plein de bibliothèques. Et des vis relais qui me permettent justement de recharger ma baguette Tomcraft. Voilà, hop, je vais la prendre tout simplement parce qu'on va faire des choses. Et ici c'est un truc super bien, donc c'est un add-on de Tomcraft qui est Tomic Esoterica. Voilà, Esoterica. Qui permet justement de créer une fiole de rechargement d'eau illimitée. Hop, une petite recherche supplémentaire. Vous faites par exemple, quand vous avez fini votre recherche, tac, et lui il va remplir. Bon, c'est vachement bugué, mais ça permet justement de remplir la jarre en fait. Voilà, tout simplement. J'ai une chute de frame quand il s'active, celui-là, c'est dingue. D'habitude, ça me le fait pas, c'est peut-être un record. Et des fois, quand vous avez des problèmes au niveau de la saturation, je vais vous montrer. D'accord, tu me prises. Ouais, par exemple, je vais foutre ça. Oh là là, c'est mal, il y a tellement de trucs. Oh là là, il y a tellement de bordel aussi. Oh, c'est pas bien du tout. Hein. Et puis, vous savez pas comment l'enlever. Eh bah. Voilà, il est enlevé. J'adore les luiches. Donc vous mettez Defense pour éviter que ça coule partout. Hein, contre un mur de préférence. Vous mettez votre glass panel, comme ça en même temps vous pouvez pas tomber dedans. Donc c'est plutôt un bon point. Voilà. Ça permet de pas tomber dedans. Et bah, vous pouvez mettre une barrière hein, si vous voulez pas la péter par exemple. Un piston et un levier, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ça vous permet justement de faire ceci. Alors, maintenant, on va remonter au-dessus. Pourquoi ? Déjà, je vais enchanter ma baguette. Donc, la salle Tomcraft. Voilà. Et c'est au niveau de ceci. Voilà. C'est une node qui est parfaite. Elle a tous les aspects primaires que j'ai besoin pour recharger toutes mes baguettes. Donc ça, c'est super bien. Et ainsi que mon équipement sur moi. Ma salle Tomcraft. Voilà. Hop. Ici et là. Voilà. Alors, j'ai besoin de fortune, obligatoire, et j'ai besoin de Humbrock. Humbrock, ça sert à rien parce que on s'en fout en fait dans un Atomic Tinker. Hop, et fortune 3. Alors, 192 de perdition.
La baguette, c'est 100. Ouais. Bon, je vais quand même lancer le processus. Oh! Ça s'active! Avant, il y avait des particules qui faisaient ça. C'était, je trouvais ça plus fun, moi, dans les anciennes versions de TopCraft. Mais là, pas du tout. Et puis, elle se vide! Elle se vide à une vitesse! C'est quand même... Ah! Ah, Balperdicio! Ah, le perdition. Bon, elle est pas finie, hein. Donc, c'est tout simplement pourquoi. Parce qu'il faut la recharger. Hop. Donc, vous voyez, ça est en train de se recharger. Surtout le perdition, en fait. Ta 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 ta, poum. Hop. C'est le gros faisceau de la mort qui tue. Et je l'ai fait passer au plein milieu de la pièce. Parce que je trouve ça tellement, tellement fun. Surtout, par exemple, si vous êtes là-bas. Je vais faire les réseaux là-bas, les réseaux là-bas, les réseaux là-bas. Vous faites un craft. Et pouf, vous faites un... Un craft qui pouf, vous avez tout le faisceau dans toute la maison qui se balade. Ça, je trouve ça tellement classe. Voilà, c'est surtout ça en fait que j'aime bien dans TopCraft, c'est les vis relais. Et sachant dans la prochaine version, quand elle sera compatible avec la nôtre, et TopCraft, ben, je vais pas pouvoir la mettre parce qu'il va falloir que je change des modes et niet. Ça me ferait chier, surtout ça, ça disparaîtrait. C'est tout simplement, bah vous pouvez faire passer en fait ces vis relais, voilà, dans Applied. Et dans la prochaine mise à jour du pack que je ferai sans doute demain, pour moi, mais pour vous elle sera déjà faite, ça sera les essences par exemple, les essences de TopCraft, ce qui se trouve dans les jars, là je vais pouvoir les mettre dans Applied, dans les disquettes Applied. Le mode il est pas installé pour l'instant, mais je verrai déjà s'il est compatible. Normalement, oui, il est compatible. Voilà. En fait, il lui reste combien 80. Hein. Ouais, il faut que la baguette soit full. Quoi. Est-ce que je peux mettre autre chose comme baguette 70, 50. Ouais, bah je vais faire toutes les baguettes. Comme ça, elles vont toutes se recharger. Hop. Ah oui, je vais me dire. Voilà. Comme ça, j'ai vidé. Et puis, j'ai fortune 3, efficacité 4 sur la baguette. Parfait. Comme c'est la gold, machin et autres, je vais voir, par exemple, pour mettre deux autres arcades. Deux arcades là. Putain, c'est super beau quand ça se recharge quand même. Ah bah, il y a que le père du show. Oh, putain, ça a été vite d'ailleurs. Comment je vais faire ça d'une façon plutôt cool, sachant que ça en fait j'en ai pas besoin. Tout simplement c'est que j'ai mis là dedans, j'ai mis ça là. Hop, je vais mettre les pieds des salles parce que j'ai pas besoin. Du coup c'est une arcade, sachant que l'arcade, putain c'est vrai que ça se recharge tellement vite. J'ai rechargé le aussi ça. C'est tellement fun. La baguette, pouf. La gold là. Et l'iron là. Voilà. Comme ça, les trois baguettes. Et je l'aurai la version dessus plus tard. Mais effectivement, ça recharge tellement vite. Et on va faire déjà 30 minutes. Putain, ça passe super vite. Je vais pas pouvoir vous montrer un petit peu tout. Et au-dessus, vous avez la salle TopCraft. Voilà. Le truc badass. D'ailleurs, ça, je vais le virer pour le remettre. C'est tout simplement qu'il se link là-haut, pas en bas. Voilà, le truc badass, et vous avez même votre faisceau qui peut faire ça, tac. Ici, pour recharger votre armure, si vous prenez des dégâts, c'est super bien. Voilà, la salle, en fait, elle est ultra stable. Celle-là m'a fait zéro éclair, je dis bien zéro éclair, concernant les crafts ultra dangereux. Donc, du coup... aucun problème de d'instabilité. Donc principalement vous mettez en fait que des cristaux. Principalement moi je mets des mixed. Oui, tout simplement c'est qu'on est dans un biome ici Eri. Tout simplement c'est que la node énergisante là-bas c'est une comment, c'est pas une stable en fait, c'est une comment on appelle ça d'ailleurs, c'est pas une pure, c'est une Sinister, voilà, c'est une Sinister et du coup j'ai dû mettre une plante là pour reprendre en fait le biome à l'état d'origine, ce qui veut dire pleine.
Mais il y a un seul cube ou que bah, c'est Elry. Et puis voilà. Mais quand même, le ciel, il est super beau en Elry, hein, quand même. C'est ça que j'aime bien dans le côté Elry. Hop. Hop. Bon. Voilà. Donc, des vitrolets, tac, hein, aux quatre coins, ça fait côté beau. Et vous mettez que des têtes de creeper, par exemple, si vous en avez beaucoup. Et que ça soit symétrique de tous les côtés, sauf ici et ici. Et vous verrez, la stabilité est vraiment géniale. Donc c'est du 9 par 9. J'ai mis du 3 là, du 3 là, du 3 là, 3 là. Bientôt, je vais devoir renlever cela parce que Camille a besoin de plusieurs éléments. C'est pour ça que je les ai mis. Mais au niveau de la stabilité, en fait, elle est excellente. Voilà. Et tout simplement, c'est que les aspects en dessous sont aspirés très loin. Donc tous les aspects qui se trouvent là, ça va directement là-haut facilement. C'est ça que je trouve ça super. Bon, du coup, je vais vous laisser, hein. Ce fut quand même un épisode assez grand, faut dire ce qu'il y a. Je vais faire ceci. Tac. Voilà, là en train de se recharger, elle va être full. Voilà, elle est full. Et j'ai besoin de ceci. Ah ben non, j'ai pas besoin. Voilà, fait. Parfait, j'ai mes 4 baguettes qui sont pleines. J'en ai encore une là, donc c'est parfait. Bon, voilà. Ça, je vais voir si j'en ai déjà d'avance. Je pense pas. Je pense pas que j'en ai d'avance. Non, j'en ai pas d'avance. Bon, tant pis. J'irai en faire hors caméra. Ça sert trop à rien là tout de suite. Des livres, je vais les faire cuire. Hop. Alors, c'est du câble Underio qui se trouve derrière, hein. Donc, j'ai mis le carburant. Le comburant plutôt. C'est façon solide. Carburant, c'est liquide. Du charcoal pour alimenter tous les fours. Donc, la prochaine fois, ça sera de l'alimentum que je ferai. Mais les recettes ont changé pour l'alimentum et ainsi que pour. Le nitor, donc tout ça a changé d'aspect. Avant, c'était deux charbons, une bûche pour le nitor. Maintenant, c'est trois aspects pour faire un nitor, et ça, c'est chiant. Ça vous fait du surplus et du coup, bah, instabilité supplémentaire. Du coup, merci d'avoir regardé. C'était LP pour du LP. LP. Voilà, sur tout ça. Et puis, ah oui, la salle Tomcraft qui ressemble un petit peu à FTP, mais pas complètement. Tout simplement, c'est qu'on va modifier les patterns centraux qui se trouvent ici. Voilà. Ça, je vais hop, le désactiver. Et puis ça, je vais le désactiver. Comme ça, il va placer et miner. Ah ouais, peut-être que je range un petit peu ça, en fait. Ok, parfait. Très bien. Ah oui, non, mais ma baguette, non, 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 pas ma baguette. Tac. Hop là. Ouais, c'est bon. Ça va mieux. Du coup, tac, tac et tac. 3, 3, 6, 9. Parfait. Hop, voilà. 3, 6 et un 9. Pendant que limite que je pose ça, par exemple, et je prenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'ai deux stacks de chaque. Hop, c'est bon. Bah, du coup, je vous laisse, hein. Donc, gros bisous à tous. Et puis, du coup, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bisous.